Allez, rentre. Tu sais, Léo, la tempête a vraiment fait beaucoup de dégâts. C'est le garde-côte. Allô? Bonjour, Bob. Qu'est-ce que le garde-côte peut bien vouloir à Bob? La foudre est tombée sur le phare de Beaufort pendant la tempête. La lanterne est cassée, il faut la réparer. Oh non! Si le phare n'émet pas de signaux lumineux, les bateaux n'auront pas de repères pour éviter les rochers. Le garde-côte voudrait qu'on intervienne. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! On part tout de suite. Bonjour, Fabrice. Tu as un problème? Les amarres se sont détachées à cause de la tempête. La coque est endommagée et le moteur est hors d'usage. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Ah, quand on aura réparé la coque et changé le moteur, ton bateau sera comme neuf. Alfred, allons chercher les pièces pour faire les réparations. À tout à l'heure. Le phare a l'air en parfait état. Oui, tu as raison, Scoop, mais que de l'extérieur. Tu vois cette tige en métal, là-haut? C'est un paratonnerre. Il permet à la foudre de traverser le phare sans faire trop de dégâts à la structure du bâtiment. Mais il n'a pas empêché la foudre de faire griller la lampe. Une autre tempête se prépare. Il faut à tout prix réparer le phare avant la tombée de la nuit. On doit remplacer le bloc optique de la lanterne et les fusibles. Et le compteur électrique a brûlé, lui aussi. Oh, c'est très embêtant. Non, on doit juste installer un nouveau câble d'alimentation entre le phare et le village, ce qui implique de déterrer l'ancien. C'est un travail pour toi, Scoop. Chouette! J'adore jouer dans le sable! Oh, j'ai un piston qui a fourché. J'adore creuser le sable. Oh. Le câble d'alimentation devrait être enterré quelque part par ici. Ça y est, je l'ai trouvé. Creuse délicatement le long de ce trait et ensuite suis le câble. D'accord, Zoé. Attends mon signal avant de commencer. C'est le travail que je préfère. Ah!